Un aspect le plus important de ce métier, c'est les soins. Nous, on va être vraiment la partie derrière le vétérinaire. Donc, on va soit le seconder pendant les soins de plaie, par exemple, ou s'il n'aura pas le temps, ou s'il a des cas plus importants à gérer, ou des soins plus poussés, nous, on va faire tout ce qui est derrière, tous les soins un peu primaires. Le vétérinaire fait son examen clinique, l'auscultation, etc. Et nous, ensuite, on prend en charge l'animal, tout ce qui est le nursing des animaux, faire les tests sanguins, les analyses. On fait des pansements, des soins de plaie, la calinothérapie qui est très importante aussi. Souvent, quand je suis au chenil, je croise des propriétaires et ils sont hyper contents quand ils me voient caresser leurs animaux ou caresser les animaux des autres gens et leur parler. Ils se disent « Ah, c'est super ce que vous faites !» Ça nous fait plaisir de voir que les gens font ça et que nos animaux sont bien, bien encadrés et bien soutenus quand on n'est pas là. La contention, c'est hyper important dans le métier d'ASV parce que si la contention est mal faite, si on contient mal l'animal, ben on peut se faire mordre, on peut se faire griffer. Ici, à l'hôpital vétérinaire, ça prend quand même pas mal de temps. Par exemple, il y a des animaux qui ont des soins toutes les 2 heures, d'autres qui en ont juste le matin, le soir. Ça dépend vraiment des différents cas. Le soin, c'est ce qui motive le plus, ça c'est sûr. Quand on fait nos études, c'est ce qui nous intéresse le plus parce que c'est on suit le parcours de l'animal vraiment du début à la fin, surtout ici en hospitalisation. C'est un vrai rôle d'accompagnement et c'est aussi ce qui fait qu'on aime ce métier parce que on revoit nos patients, s'il y a d'autres problèmes derrière et on tisse aussi un vrai lien avec les propriétaires. C'est quelque chose de très intéressant.